Vous voulez connaître mon point G? Alors, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a que l'embarras du choix pour moi. C'est le bassin d'Arcachon, en fait, et c'est Cap Ferré. Et c'est des souvenirs, évidemment, moi, que j'attache toujours à des souvenirs amicaux, c'est-à-dire des rencontres avec, par exemple, un ostréiculteur à l'époque qui s'appelle Joël Dupuche, qui est resté un de mes vieux amis, qui m'a fait rencontrer des gens comme Philippe Stark ou d'autres. Et en fait, c'est des gens qui m'ont apprivoisé un peu la région. C'est-à-dire qu'ils m'ont amené, qu'ils m'ont pris par la main, qu'ils m'ont emmené voir des gens qui ne sont pas des faiseurs, qui ne sont pas des gens qui font de la com, mais des gens simplement sincères, des bons artisans, que ce soit dans le vin, dans les huîtres, dans tous les produits finalement magnifiques qui sont produits dans cette région. Donc en fait, j'ai pas un point G, j'en ai de multiples, et pour moi, effectivement, je peux dire que bon, surtout Arcachon actuellement, pour moi c'est le plus grand rendez-vous, mais enfin c'est très personnel. La Gironde, c'est mon grand rendez-vous.